On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube, parce que ce soir on se retrouve sur un live découverte sur Terminator Dark Fate Defiance. Je l'avais fait il y a quelques temps, effectivement, il était full English, ce qui avait été, comment je pourrais qualifier la chose, une purge, parce que ça blablate beaucoup, vraiment beaucoup. Et du coup, évidemment j'avais joué avec beaucoup de maîtrise, à l'instinct, bien sûr. Et là, cette fois-ci, en FR, ça va être une autre sauce. Bonsoir, Hyde, merci beaucoup. Merci pour le sub, merci pour le prime, merci pour le soutien. Allez, on bascule. Alors, évidemment, j'ai fait le test. Le jeu est en FR. Alors, attention, pas les voix. Les voix sont in English, of course. Mais le texte est en FR. Je ne vais pas vous en faire la lecture parce que ça blablate beaucoup. Beaucoup trop. Voilà. Bah, tu n'es pas professeur d'anglais. On m'aurait menti. Damnation. Adam Ned. Ça blabla dans un Terminator, ils ont regardé les films avant. Mon cher Sefi, observe, découvre. On posera la conclusion à la fin. Alors le mode escarmouche n'est pas encore dispo. Voilà, mais bon, comme je vous l'ai dit, il sort le 21 février. Pour le moment, c'est juste une version très en avance. Alors, nouvelle partie. Charger une partie. C'est ça, il n'y en avait pas. Donc, nouvelle partie. En normal. Voilà, on a facile, normal, difficile. À quatre pattes, vous allez voir, c'est souffrance. Voilà, accepté. Alors, à savoir que le tuto est en anglais. Enfin, le texte. Mais ça reste assez classique pour un jeu de ce style. Donc. De sous-côté. Mais je connais deux noms déjà. Ah, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Suivez bien. Ah oui, ça pète par contre. Hey, wait up. Where are you going? You hear that? The machines are coming. Army's trying to slow them down, but there's still people trapped in the ruins. We gotta find them before the battle reaches them. We're still cops, right? We got a duty to help those people. Leave it to the Army. This is war. You want to be a hero? Then go ahead. But none of us are trained for this. Rest of you do what you want. I'm out of here. Hey, asshole. What happened to protect and serve? We're with you, Stevens. What do we do? We're going back in there. It's gonna be rough, but it's what we need to do. You with me? T'avais pas fait un test, qui était pas fou sur ce jeu. Deuxième chance, non, mieux. Ils ont retravaillé le jeu, ils ont retravaillé l'interface, et surtout je l'ai en FR. Donc, on va effectivement lui donner une deuxième chance, mon cher Kira. As-tu commandé ton Genesis? Non. Copy. Hélas, non. Alors déjà, on peut plus zoomer, je crois. Et vous voyez, il n'y avait pas cette petite interface qui est en bas à droite. Ah ouais, merde. Merde, je vais vous montrer après. Alors, je vais vous montrer. Cette interface. Donc, on peut courir, se mettre à plat ventre, etc. Chose qui n'était pas. Justement, c'est la première version qu'on avait testée. Identify yourself. Officer Chris Stevens, Atlanta PD. Cop, this is a military operation. I'll put you in command. The machines did, when they killed all of your officers. And like I said, tell us where you are and we'll come get you. Bah, peut-être qu'ils ont pris en considération aussi ce qui a été dit, hein, tu sais, donc je vais te dire, tant mieux. Hein. Copy.
Je trouve ça très cool, tu vois. Tu peux vraiment attacher la remorque, détacher, tu vois. Enfin, vraiment, ils ont fait un effort là-dessus, quoi. You that cop on the radio. We got people nearby, but no one to command them. You do now. Tell them to hold this position while we look for survivors. You got it. C'est déjà mettre à leur crédit. Ah, carrément, bien sûr. Et vous voyez, ils ont vraiment plus des aptitudes. Grenade fumigène, grenade, mine anti-char, mine AP. Je trouve ça vraiment très très cool. Non, t'inquiète pas. Ok, avec moi, long as he knows what he's doing. Here they come. Get ready. Engineers en route. We're going in. Engineering squad reporting. They're coming. We should get our infantry into the cover of that building. J'avais pas vu qu'il y avait des armes au sol. Bon, on va laisser venir. Ah, on va défendre. C'est pas un vrai Terminator, il manque les vêtements, les bottes et la moto. Tell us what to do. Good to have you aboard, soldier. We got a Bradley crew in those ruins nearby. They're out of command, waiting for orders. I'll get to them. You advance down the street and hold the position there. Voilà. C'est le plus gros point de Franklin. La surface était bordélique au possible et manquait cruellement d'infos. Et là, il y en a. Donc. Et ça me plaît parce que justement. Là, pour le coup, c'est quand même un poil plus propre. On continue à défendre, je suppose que c'est ça dont tu parles. Et donc, comme je vous disais, voilà, je vire l'interface, regardez. On peut balancer des fumis, on peut poser des mines, voilà, attaquer avec toutes les armes, stop, avancer jusqu'au contact, capturer le bâtiment, changer de formation, changer de comportement. En vrai, c'est pas mal, hein. Ils ont fait des efforts dessus. Hein. Je pense aussi, Blues. Donc après, on y retrouve l'ambiance, hein. Regardez, c'est destructible, tout est pété. Bon, on y est, hein. C'est le fait que les machines soient surpuissantes.
Squad Red. Get moving, Squad. Got it in our sight. Enemies in range. Voilà, nous on va se mettre ici, on va essayer de défendre. Machine! Hold them back while we get these people out of here. Bonsoir Venek, comment vas-tu? Tu me fais trop pitié, tu me sautes, vas-y, parle à ma main. Ah, ça va être compliqué là. Voilà, et maintenant on peut se replier. This is a military frequency. Identify yourself. Stevens, Atlanta PD, in temporary command of some of your leaderless units. I'm pulling them out of here once we get all the civilians to safety. We'll cover your withdrawal, but don't hang around, son. The machines are coming. Voilà. Maintenant, on s'en va. Donc, vous avez pu, le char qui était là, bon, bah, il est raide hein, complètement. Alors, on a un coup de main quand même. Et surtout, comme je l'ai dit, on peut zoomer, regardez. Ce qui n'était pas le cas quand on avait joué à, à l'autre version. On pouvait voir jusque là à peu près. Non, Alien Dark Descent, tu peux mettre en pause active. T'as une pause et active qui fonctionne aux secondes. Là non, c'est après oui, je vois ce que tu veux dire, parce que tu gères une, tu gères ta squad, mais là c'est pas une squad, tu vas gérer carrément un groupe d'unités. C'est un RTS, on est plus sur, ouais, sur un RTS. Mais je pense pas que tu vas créer de base, à proprement parler, je pense que chaque mission, tu auras tant d'unités et tu dois te démerder avec ces unités. C'est représentatif de Terminator, c'est-à-dire tu dois te démerder, est-ce que t'as sous le coude. You did this? You got all those people out of there? I did. Salut Pochetron, so what's the plan now? This was the plan, son. Fight and hold them here. We've already lost the president, the chiefs of staff, the whole chain of command. It's all gone. We failed. We still have people to protect. That still matters. Right. I like you, son. Like the way you think. Donc tu vois, what's your name? Stevens, Atlanta PD. A cop? Alien Dark Descent, et c'est ce que je kiffe, c'est vraiment à l'échelle d'une unité. Là, c'est vraiment d'un groupe de combat. Plus statique que stratégique, pas de construction de base. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté les fonctions, se mettre à plat ventre, balancer des fumigènes, etc. Ce que tu n'avais pas sur la première version. Bon, après, c'était une version test, hein. Faut quand même pas non plus déconner. Là, tu sens qu'ils ont fait, du boulot. Je peux pas gueuler, quoi. Là, et surtout, ils en FR, donc je comprends ce qui se passe. Sometimes I wonder if those changes made us better, or just too much like our enemy. Ce qui m'inquiète, c'est la troisième quand j'avais pas tout compris, donc bon. Sorry, my mind was wandering. Just remember my first time leading people in the field. The Atlanta pullback, sir. Yeah, the Atlanta pullback. Long time ago, though, in a different world. You remember your orders? Light reconnaissance. Observe the enemy's movements and positions. Do not engage directly unless there's no other option. Copy that. As we expand into this area, we don't want the neighbors to know we're here. Not until we know who and where they are. And we're ready to take them on. I won't let you or the Founders down, sir. Just bring your people back safely, Church. That's my main criterion for mission success. Even if it might not be for others. Yes, sir. Founders Fidelis. Good hunting, son. We're here. Yo, Mace. Had eyes yet on the new lieutenant? What's to know? Either gonna be another newbie we gotta break in. Or someone smart enough to let us run his platoon. All that matters is he's Founders Fidelis. I hear that. Founders Fidelis, man. Heads up. Here they come. At ease, Sergeant. New platoon commander, Lieutenant Church. Yes, sir. Two good men here, Lieutenant. You look out for them, they'll look out for you. Time to mount up and move out. Got a recon patrol to complete. Yes, sir. Ahead.
Looks like wire hands. Legion forces. What kind? Light skirmishing units. Could be a recon patrol. Or a screening force for a larger unit. They're moving closer. Standard formation. Haven't seen us yet. They'll see us soon enough if we stay here. We can take them if we have to. Your call, sir. Orders are to avoid enemy engagements. Still coming. If they haven't seen us yet, they soon will. What orders, sir? Okay. Founders, prepare for combat deployment. Alors, effectivement, Blue, je suis d'accord avec toi. C'est un style voilà, très utilisé pour le cinéma, mais c'est pas si déconnant que ça dans un univers comme celui-ci, parce que tu diriges des unités de combat face à Légion. Pourquoi pas? Après, le FPS a été très utilisé sur les Terminators. Par exemple, regarde les systèmes Shock 1 et 2. Terminator Renaissance, qui est sorti un peu récemment, et qui est très bien d'ailleurs, puisque Barrel me l'avait offert, je l'avais testé. Donc, il y a de quoi faire, hein. Good job, Lieutenant. We got movement. Vehicles on the road. Standard Legion transports. Ouais, c'est casse, je vois ce que tu veux dire. Units were running interference for. A convoy? What kind? Doesn't look familiar. Hold on. People. Those transports are carrying people. Prisoners? Since when do the wireheads take prisoners? Since never. Okay, let's take that convoy. That isn't our mission, sir. We're a recon patrol. Not anymore, Sergeant. Now we're freeing those people. How you want to do this, sir? We split into two squads. One engages the guard units, the other moves in, disables those transports, and frees the prisoners. Sounds like a plan. Permission to lead the assault on the transports? Granted. See you down there, Sergeant. New lieutenant's got some balls on him. Yeah. Better not get us all killed. Watch your six in there, lass. I'll be watching it, too. Worry too much, Mace. Yep. And that's how I'm still alive. Got your Humvee. Workhorse of the Founders. Ain't got much armor, but its machine gun's got enough reach to keep you out of harm's way. Snipers, put them up on the hill, hidden under the trees. They can pick off enemies from long distance up there. Infantry squad, ain't got the sniper's camo skills or long distance reach, but they do got a grenade launcher. Best place for them is the road behind the hill. Okay. Take cover, squad. Voilà, on va les faire se lever. Les snipers. Copy that. Change of position. Les snipers vont aller là. Et toi, tu vas aller ici. Voilà, là on est pas mal. Les unités elles sont pas mal mobilisées. Ok, je peux pas y toucher. Ils ont quoi? Des fumigènes. Tireurs d'élite du 9 mm. Mais encore un fusil de précision. Ok. Alors si je me souviens, ça passe par là. Legion Wolfpack. Fast and mean. Some of them are modded to use advanced tactics. But looks like we dodged that bullet. This time. Fire at will! Wanna take a shot? Shot. You're up, Lieutenant. Order, sir. Hide. Enemies ahead. Got enemies in the army! I'm on the squad, taking up a position near you. Hit them on their six, sir. Got it. Infantry under
Et voilà, ça c'est fait. How's it going with those containers, Sergeant? We got them open, sir, but some of the people inside are in mighty poor shape. Damn wireheads. Forget we're not machines. That people need food, water, and injuries looked at. Walking wounded? Some of them, but not enough. Others are gonna need medical treatment before we can move them. Okay. I'll get the doc to them. Sir. I'm aware of the problem, Sergeant Mason. Sergeant Laszlo, get those people ready to move as soon as the doc's finished. Longer we're sitting here, more likely we are to be discovered. Yes, sir. Urgent. We have civilians in need of medical treatment. Calling for any medics hearing this to respond and help. Bon, ça c'est ce que j'avais compris plus ou moins pour la deuxième mission. C'est après que... You say civilians? Affirmative. Prisoners rescued from a Legion convoy. We have injured who need medical treatment before we can move them. You know you're with the Founders, son. We don't do civilians, we do taking the war to the enemy. I know that, Doc. But these people need our help. Okay, I'm on my way. You make sure I get there alive. You do your job with these wounded. We'll do ours to protect you. Lieutenant, we got that medic you called incoming. Let's make sure he gets here in one piece. Need to check and clear that road before the doc heads out on it. Get loose the only medic you've got. Hold on, Doc. Driver's reporting, sir. Let the lieutenant clear the road out for you. Okay. Sir, yes, sir. Moving. Relocating. Moving. Infantry squad ready. Lui, il va protéger, il va couvrir pendant qu'on déploie les unités. C'est là que justement ça m'intéresse parce que je vais déployer mon unité ici. Les snipers vont aller dans les buissons. Ok. J'aimerais que mes snipers se mettent ici, à couvert. Voilà. Et l'infanterie va se déplacer. Putain, il n'y a pas un tir, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Voilà. Squad standing by. On route. Order, sir. Bastards are on us. Copy. Ouais, relevez-vous. Ah, on peut les laisser à plat ventre. Ça, c'est bien. Change of position. Ah, je m'en souviens, il faut vraiment progresser un petit peu en douceur, quoi. Ok. Allez, on va commencer à bouger. Get moving, squad. Just give us the target. Relocating. What are the orders, sir? Orders, sir. Hide. Copy. Reporting. En route. Ok. Voilà, dans ce genre de jeu, faut vraiment progresser au coup par coup. On peut sauvegarder F5, hein, je suppose. Ouais, partie sauvegardée, donc ça c'est cool. Parce que c'est là que ça va être un peu compliqué, je le sens. Le véhicule va venir. Vous allez rester en bas de la route. Voilà. Got a vehicle for us here?
comment ça se présente. Ok. Get moving, squad. Just give us the target. What are the orders? Going. Infantry in position. En route. Yes, sir. On the move, sir. Ready to go, sir. Où est le piège? Infantry moving. Ok, on va faire venir nos snipers. Et on va les relocaliser ici. Vous allez vous mettre ici. Plus à l'abri comme ça. Parce que là, on a une petite montée qui est très propre. Et bien sujette à se faire défoncer. Voilà. Les snipers vont se mettre un peu plus à l'arrière. Voilà. Snipers in to get low. What are the orders, sir? Moving. Yes, sir. On the way. On the way. Non, mais il faut que ça soit toutes les unités qui se déplacent. Infantry squad ready. Ça, c'est caca, hein. Relocating. Moving. Copy. En route. On the way. Infantry reporting. Affirmative. Lieutenant, we got signals showing a major Legion buildup in the area. Definitely gonna be one of them days. We got our anti-tank squad with an ATGM launcher that can take care of that wirehead armor. Ah, super. D'accord. Tout est en anglais, c'est génial. Ok, je crois qu'on peut récupérer du matos. Call them in from the support team outpost. Be careful. That team's gonna have to re-ammo a lot. And if we lose the team, we lose our anti-armor capability. D'accord, donc il y a intérêt de les protéger. What are the orders, sir? Going. Missile support in position. On the way. ATGM deployed. Copy. Infantry group, we're going in. What are the orders? Moving. Moving there. ATGM relocating. Ready to go, sir. No target sighted. Going. Drivers under fire. Take cover, squad. Drivers, we are taking fire. Got enemies near the Humvee. Target destroyed. Legion units holding the road near the secondary camp. You know what to do, Lieutenant. Affirmative. Take cover, squad. Take cover. What are the orders, sir? Report ATGM deployed. By cover. On a move. Red drop. Ready. In position. Snipers in position. Quel enfer. Tu bouges quand tu veux, coco. Hein. Où est le médecin? Il est derrière. Salut Nomade, tu vas bien? ATGM squad in position. Reporting. Anti-tank support, ready for target. Ah oui, on peut les mettre à l'intérieur, mais ça m'intéresse pas. Infantry moving. Relocating. Yes, sir. Reporting. ATGM relocating. Ready. In position. Infantry report. Get moving, squad. Copy. Missile support in position. Ready to go, sir. ATGM deployed. Faut que je passe par là. Quel enfer. Get moving, squad. Change of position. Humvee report defeated. ATGM relocating. Automobile needs the wheels for that. If it's any sighted. Snappers high. ATGM squad reporting.
position. Find cover. Drivers waiting on orders. On the move, sir. Ready for launch. Infantry reporting. Take cover, squad. Drop. OK. Bonne découverte pour l'instant ? Oui, 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 sans problème. Meilleur que le premier live sur ce jeu ? Ah bah carrément, parce que maintenant que j'ai plus d'options, c'est autre chose. Non, monsieur Rose, pas sur un jeu de stratégie. D'où va venir le danger d'après vous ? Relocating. Moving. Reporting. ATGM relocating. Repeated. Reporting. In position. En route. Oh putain, il me l'a pas validé. In position. Moving. Non mais c'est débile. Ah voilà. ATGM deployed. Voilà, et lui il va passer par là. On the move, sir. On route. Getting it back up. Ah super, et il répare. Bah ça on l'avait pas non plus. Yes, sir. On the way. Going. On peut pas te pivoter ? Non, je crois qu'on peut pas te pivoter. Mise à jour de protéger le médecin de combat. D'accord, mais je sais pas où il est. Come to see what happened to its convoy. We've been sitting here too damn long. Doc, going to take time to move some of these people, Lieutenant. D'accord. Got some badly hurt people here. We'll get you the time you need. Sergeant Laszlo. Founders, you heard the man. Send the doc and the civilians. Cool. We can protect the civilians in the main camp, sir, but the doc's still out there in an unsecured position. That building should provide us good cover to help protect the civilians and the base. Alors, very weak, weak, medium, strong. Ok. Ouais, ça, on voit les destructions. D'accord. Ok, ça me va. Alors, je dois protéger le Toubib. D'accord. Donc, je dois aller... Attends, je comprends pas. Nous, on est ici. On est d'accord. Up to my wrists in a patient's chest cavity. But let me take time out to check in with you on that. Ok. Donc du coup, nous devons aller ici. Missile support in position. ACTM squad in position. We're going in. Ready for launch. Change of position. Anti-tank support. What are our orders, sir? Got company. Got him in our side. Take cover, squad. Incoming threat! Take cover. ATGM squad reporting. Humvee report. We're under attack! Got my wire. Spotted one. Coming. I got ears, Sergeant. And people here needing my attention. Relocating. See that striker we got? Oui, je l'ai vu. Alors, le striker. Oui, et on peut le réparer. Chose que je n'avais pas forcément. Good vehicle to have, especially since it can solve our ammo problems. Put a squad inside. They can re-ammo from it. Yeah, but just remember, they can run out of ammo too. Oh, you mon striker.
Striker under fire! Driver, got trouble! No target sighted. On the way. On the move, sir. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Mais... Got enemies near the Humvee. Got incoming. Target destroyed. We got some rangers incoming. These guys kick ass. Strong camouflage and ambush. Excellent in hand and light vehicles. Just don't put them up against heavy armor. That's our spider. Going, Doc. Not good. I need Ranger, to get these patients to a real operating theater. You got one? Back in Haven. We get them there, I can save them. Sit rep, Lieutenant. We're outnumbered by incoming enemy reinforcements. We need to abandon this position now. Bad call, Sergeant. What about these injured civilians? C'est que le début, je ne pense pas que les T-800 existent déjà. Tu peux pas capturer les Terminators dans ce jeu. You want to leave these people for je laisse Coco y répondre. Ah putain, j'ai pris tarif. Hein. C'est réparé. Striker is back up. Ok. On the way. Je vais le renvoyer là-bas parce que lui il va protéger le médecin. Et encore, je me demande si ça vaut le coup. En route. Ouais, ça m'a l'air compliqué. On va renvoyer le striker au combat. Incoming suicide bomb drone. Lieutenant, get our people into cover. There's armored vehicles or enemy force strong points to focus fire on those drones. Enemy spotted. I'll be taking casualty. Reporting. Getting it back up. Putain, j'en ai plus une. D'accord, c'était une unité suicide. Super. Bonne nuit, Citias, des gros bisous. We're pulling out and taking all these people back to Haven with us. Hope you know what you're doing, sir. Wireheads could track us back to Haven. Got incoming. Doc's got the worst of the wounded loaded into the Humvee. These people need immediate evac. Incoming hot got eyes on the enemy. Multiple units. If they ain't happy about what we did to their convoy. Driver's reporting, sir. Form up, Founders. Medic's on his way. We need to buy time for the Doc to get these people to safety. Want us to take the shot? Rescue them just for Legion to take them back again. So much for quiet recon. Enemy sighted. You're good with this, Vince. On it. Get these people out of here. Can you spare notes on the new lieutenant later? Roger that. On the move, sir. Got company. We want to stay. In now. Runner attack. Enemy sighted. Enemy presence here. Enemy spotted. Enemy. Okay, ça roule tout seul. Évacuer les prisonniers, le médecin et les blessés. D'accord. Attends, stop. Stop. Donc on a vers le sanctuaire, point d'évacuation, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, donc il va falloir évacuer tout ce petit monde. Eh ben ça va être rock'n'roll. Hein. Ça va être rock'n'roll d'évacuer tout ce petit monde. Il est où mon médecin? Où est mon véhicule? J'avais un véhicule tout à l'heure. Neutre. Ah, il ne roule pas celui-là. Génial. Bon bah écoutez, allons-y. Running. Snappers will copy that. Affirmative. Driver's reporting, sir. ATGM squad on our feet. Setting up overwatch. We're here. Enemy spotted. Enemy location acquired.
change of position. Going. That's it, thank you. ATGF squad, pin down. Got a visual on hostile. Ready to go, sir. Hit the deck. Driver's under fire. Hi. Got enemies near the Humvee. Enemy down. Yes, sir. Putain, quel enfer. Quel enfer. Rangers lead the way. No target sighted. Incoming threat! Rangers in position. In position. Moving. Drivers waiting on orders. Trap them. Got incoming. Got him in our sight. Enemy presence here. Get us away from them! Preparing. We can do that. Ready. Salut Reapers, comment vas-tu? All right, Humvee's back on the road. Got company. Spotted one. Humvee reporting, sir. Keep us safe. On it. Got incoming. Putain, quel enfer. Target in range. C'est où que ça tient? Docks evacuated. Civilians on their way to Haven. Et voilà. Take the shot. Enemy sighted. ATGF squad report on our feet. Humvee carrying the wounded is out of harm's way. Rangers ready. More incoming wireheads. Shit, they must have opened up a whole new production line. Got company. They're throwing one at word. Us. Concentré surtout. Oui, oui, oui. Contact. Agreed. Doc's got those people to the evac point. We're done here. Okay, Founders. Disengage and fall back. That's a tank support. We're a rough finish shot. One kill. Don't wait for me, buddy. Got I'll see you there. Enemy. Enemies ahead. Attends, c'est par là. Affirmative. On est bien à plat ventre. Reste à plat ventre. One word, ah, on peut avancer. Take cover. Va, hein. Take cover. Get down. Hey, coucou Kitty, comment tu vas ma belle? Ah oui, non, j'étais concentré parce que c'est intense hein, en termes de stratégie, parce que faut vraiment, c'est plein de trucs à penser quoi. Mais c'est bien, je trouve qu'il est, il est vraiment top, tu vois. They're moving to cut off our retreat. Step it up, Founders. No way we're gonna make it past them in time, Lieutenant. Les, you keep going. I'll draw that fire. Send them chasing after me instead of you. Last, no. Voilà, et c'est lui qui se peut. Ça, je m'en souvenais encore. Understood, Sergeant Laszlo. Sinon, Kitty, comment vas-tu? Comment va Titi? No, this ain't right. Et toi, mon cher Reapers, tu as l'air heureux, Franck, de jouer à ce jeu. Ah, non, il est bien, franchement. Quand je suis concentré comme ça, c'est que ça me plaît, hein. Donc, au contraire. Oh merde! Évacuez toutes vos troupes. Au secours! Faut que ça aille même quand ça ne va pas, hein. C'est la vie et toi. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, ma petite sucrète? Bon, c'est bien la première fois que je t'entends parler comme ça. Voilà, on a réussi à fuir. C'est assez représentatif de l'univers de Terminator, hein. Sauver ce qu'on peut, quoi. Voilà,
et les troupes du sergent Laszlo vont se faire aligner, voilà. Voilà, et lui se sacrifie pour le reste de l'équipe. Terminé pour lui. We've reached a safe point. Disengage, Sergeant. That's an order. Sergeant, do you copy? Lost all comms, sir. Legion units have overrun Sergeant Laszlo's position. Sergeant Mason, I'm sorry. I know he was your friend. Congratulations, sir. You got your big win first time out. Really earned your spurs. We'll talk about this back at base, Sergeant. Yes, sir. We surely will. Infanterie ennemie tuée 149, véhicule ennemi détruit 9, j'ai perdu 2 soldats et un véhicule. On a quand même fait un bon carton, hein. Faut quand même pas déconner. Hein. Ma mamie est décédée le 12 janvier, je m'occupe de la succession et c'est très difficile. Toutes mes condoléances. Après, je connais ça. Le boulot m'a mis beaucoup de pression aujourd'hui également et un peu trop en même temps pour la petite Kitty. Je suis désolé de l'entendre, mais bon, après le boulot c'est le boulot, mais tu peux pas prendre quelques jours histoire de faire un break. C'est gentil, Kitty. En tout cas, je réitère mes condoléances et en tout cas, à part te souhaiter bon courage, y a pas grand chose à dire. Hein. Ça, malheureusement, bon. Hélas, y a pas d'autre mot. Ouf. Un peu brut au niveau du son. La prochaine, si effectivement c'est la même que la dernière fois, moi je vais comprendre ce qui se passe. Haven Base, this is T-Patrol. We are incoming on your location. And have civilians with us in need of help. Say again, T-Patrol? Civilians, sir. Some of them are wounded. We need to help them. This is a military facility, Lieutenant, not a refugee camp. Permission denied. Belay that. Open the doors and let those people in. But, Major, we... Here to save lives, Captain. Otherwise, why are we still fighting at all? Okay, let's get those vehicles in here and those people. Contact! Enemy units coming in on our six. It's Legion. It must have tracked us from the convoy ambush. And you led it right back to Haven. Nice going, sir. Sergeant Calderon, Haven Base. Get out of my line of fire, sir. My turrets need a clear field of fire at all times. Infantry squad Church. Ready. Church, take an advanced defense platform with your squad. Affirmative. Let's see if you know how to use it. Don't worry about me, Captain. Voilà, comme ça je peux vous lire. J'ai déjà pris une semaine, mais j'ai pas arrêté de courir. De la semaine passée, tout remonte, mais bon, on a encore notre papy à s'occuper. Oui, après, s'il est toujours présent, effectivement. Après, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça serait indiscret de connaître son âge. Enfin, quel âge elle avait. Lieutenant, I want that forward post defended. So I'm giving you command of the infantry detachment. Oui, where? Thank you, sir. Could do with the extra strength after what we've just been through. Forward base secured. Forward defense platform secured. Right forward turret online. Alarm, alarm, perimeter breach. All founders on full alert. What are the orders, sir? Got him in our left forward turret online. All forward positions right. That's all you got? Come on, give me more if you can wait. Get your head in the game, Calderon. No place for crazies here. I got this, Mason. You worry about babysitting that new lieutenant. Nothing's getting past my turrets. On s'est regardé, Monsieur Freeman, colérique. J'avais pas vu qu'il y avait des noms. Le conducteur, c'était Monsieur Freeman. Elle avait eu 82 ans en septembre et mon papy va en avoir 85 en juillet. Waouh. Super honorable, c'est cool.
squad ready. Salut Kitty. Tu vas bien? Oh putain, on pourra dire merci, tu déconnes. Alors... D'accord... Okay. So who wanted attack? Good to have you aboard. Big Bob? Big Bob joining us? Guy's a loose cannon. We're glad he's with us. You hear about the time he tried to make a prototype hoverbike using the engines of an aerial HK? Like I said, crazy. Massive tank support. What are our orders, sir? Major, you sent me a tank already low on fuel. Blame the repair shop, son, not me. We're also out of ammo for it. Right. Take this fuel tanker to your location. Get that tank refueled. We need those civilians out. D'accord. Out of harm's way, Lieutenant. Where'd you even find him? That Legion convoy vehicle. D'accord, je crois que j'ai compris. Since when did Legion take prisoners? Since never. Legion is only interested in extermination. I don't like the sound of any of this. Need to look into it later. Yes, sir. I agree. Right now, though, I need you where you are. Main entrance is fortified. Good place to hold off this attack. Four of them? Hell yeah! Recommend you see the base site, Doc Calderon. Soon! Affirmative. Detecting heavy seismic activity. Where? How close? A distance away. Can't say for sure. Wirehead's got something going. Everyone get ready! Ok, faut pas être pressé, quoi. Salut Mélibé, comment vas-tu? Les noces de diamant, c'est beau, clairement. Mais question plus sérieuse, Franck, les petits jeux style Prison Simulator, là, ça me manque, t'en as qui attendent sur les tablettes? Bah là, pour le moment, je fais surtout des lives découvertes, parce que j'ai reçu beaucoup de clés, si tu veux. Puis ça permet de brasser aussi les jeux, de vous faire découvrir ce qui va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, bien sûr. Sauf demain, c'est exceptionnel, on n'a pas pu avoir une clé presse pour Yakuza, donc ça sera une clé classique, mais je vous le mettrai pas forcément pour demain soir, je vous le mettrai je pense pour début de semaine prochaine, parce que j'ai hâte de le tester, voilà, donc c'est pour ça. Je me tape une barre tout seul, je suis en train d'imaginer ce concept de jeu mais basé sur la 7ème compagnie. What's happening there, soldier? Donc c'est pour ça, Kitty, des jeux entre guillemets où vous êtes le héros ou récréatif, il y en aura. Pas dans l'immédiat parce que je suis obligé d'écrire un petit peu, mais il y en aura. Petite opération, tout va bien, mais je m'inquiète et je marche comme un petit vieux. Oh. Ah, attendez. Watch 9's position. I need you to secure the route to the far caverns. Understood. Hey, Lieutenant, you want to take command of my engineering squad? Use them to set mines at the path to the lake. Engineers are always useful. Can drive tanks, place mines. If Calderon's offering them, we should take them. Get moving, squad. Ah oui, on peut poser des mines, ça j'avais compris. We're here. What are the orders? Move it. Voilà. Et il faut aller voir le Bradley. Vous acceptez? Seriously, Calderon, you got problems. And our ammo problem? Use the tanker crew or anyone else to occupy and activate a supply point or supply truck. Then take your Bradley there for an ammo resupply. On it. We got control of the underground lake back. Let me run.
Attends, comment on fait pour évacuer? Ah voilà. Putain, quel enfer! Ça s'arrête jamais en fait. Et voilà, et maintenant on peut l'envoyer. Ah oui, pas con. Alors, qui en a besoin? Oh, ça a l'air pas mal déjà. Attends, tu peux évacuer, stop. Voilà. Et on va poser des mines anti-char. Ouf. Au secours. Tue-le. Activity. It must have been them breaking into the caverns. Shit! If they could get in here, then they could get in at other places too. Wait. You feel that? What, sir? The ground shaking. Oh, hell. Want us to take the shot? Contact. On the way. Enemies ahead. Got trouble. Going. Ah bah voilà. J'ai un sentier Bob et j'ai envie de taper quelqu'un. Je veux bien le croire. Toi, tu veux faire la tenaille à trois dans la forêt de Majkul. Cesser de dire des âneries. Oh shit! Legion armor! Center, we got Legion tanks incoming. Reassess your report, Church. Legion heavy armor underground? That's what I'm looking at right now, sir. Then your orders are to hold your position and engage the enemy. I'm not wasting my men's lives against tanks, sir. Hold position, Church. That's an order! That's it. We're falling back to the defense platform. In turrets. Putain, mais quel enfer! Haven base is now compromised, Major. Alright. Move to fallback position. Hold them off any way you can. This is all your fault, Church. You and those civilians you had to play savior to. Major? L'avant vers les bottes, les flancs et l'arrière des véhicules semblent plus fragiles. Ouais, j'ai vu, mais bon. Eh ben écoute, honnêtement, ça va, ça le fait. En plus, regarde, ils ont rajouté des éléments qu'avant tu n'avais pas, tu vois. Et ça, je trouve ça plus intéressant. Tant de niaiser sur ces missions. Ouais, enfin, il y a des limites, non? Driver's reporting, sir.
seismic activity detected. Shit! Where's it coming from? The Bay Area. Going. We have to get there now. Moving. Going. Je sais pas combien il lui reste. Et pourquoi eux, ils réparent pas? Ça passe l'interface, ouais, oui, tu peux les mettre à couvert et tout quand ils sont à pied, vraiment c'est mieux, beaucoup mieux, vraiment. It's all good to stay and oversee the evac. On the move, sir. Moi, je veux bien, mais y a pas grand chose à tenir. Si ce n'est qu'on va rôter du sang, quoi. C'est tout. Bah, c'est comme ça que je le vois. Hein. This is Sergeant Calderon. Captain Blair's gone, Lieutenant. Abandoned his command and not responding to comms. You're in command now, I guess. What's your orders, sir? Something incoming from the Bay Zone. Doesn't look like Legion, though. This is Recon 4. We're incoming from the Bay Zone with drone swarms and wolf packs on our six. Be warned, Bay Zone is enemy compromised. Hold on, Recon 4. We're coming to you. Shit. Calder are joining our unit. All I need. I'm here to show you how soldiering gets done, Mason. Easy. Sympa ça, ouais non non mais ouais j'étais en train de vous lire. On va tenir les positions, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais j'ai la vague sensation que je vais me faire défoncer assez violemment quand même. Quiet here. No enemy activity. They've been testing our defenses so far. Maybe now's when the main attack's gonna fall. First wave reserves. Move up to the forward post and hold the line. Ready for launch. Mais j'ai pas assez d'unités. Vous êtes rigolo, vous. Attends. Moving. D'accord que c'est pas eux qui vont rentrer dans le véhicule. Warehouse report. Ranger. All turrets have been rearmed. Alors, eux ils peuvent rentrer. Ah. Seismic activity, all directions. They're blasting away it again. Unclear. These might not be explosions. Alors, eux, ils peuvent aller. Voyons voir. Attends. Eux, ils peuvent pas intégrer ces véhicules. Alors que les chenilles en aient pris un coup dans le museau. À la limite, ça me perturbe pas trop. Le plus important, c'est qu'on reste là à se protéger. Contact.
target spotted. Incoming threat! Get him! Je vais rejoindre Morphée, les amis. Bonne nuit. Bonne nuit à toi, Denek. Attends, il nous a trouvé soi-disant des gars pour les véhicules. Moi, je veux bien. Ils sont où? Ah bah voilà. C'est le problème, ici j'ai plus rien. C'est quoi ça? Empt. Ça sert à quoi? Putain, quel enfer! Je me souviens de cette mission, ça avait été un enfer. Ah, c'est pour recharger, ça c'est cool. Ah non, ça recharge pas. Bon, là on a un véhicule, on va le prendre. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a un autre véhicule. Et c'est surtout que, tenez le centre de commandement du sanctuaire. Bon, j'ai tout, mais je sais pas combien de temps il faut tenir en fait. C'est surtout ça qui me perturbe. Oh, attendez, parce que j'avais une autre unité. Voilà. Et eux, ils servent à quoi, en fait? Sachant qu'ils ne peuvent pas rentrer. Ah ouais, vous avez plus rien. Ah ouais, ouais. J'ai plus de mun. Je suis à sec. J'ai plus de mun. Quel enfer. Heavy Expanded Mobility Tactical Truck. Donc ça sert à rien pour moi. Ok. They've retreated. Riotheads don't retreat. You can't be sure they got something going on. Then let's get rearmed, so we're ready for it. On va leur demander de réparer. Oh là là, quel enfer! J'ai pas assez de troupes. Évacuer. Est-ce que toi tu pourrais pas... Voilà. Un vise. Voilà. Bon, vous avez une batteuse. Mais je prends une batteuse, hein, c'est toujours utile. Oh là, quelle bande d'enfoirés. Le jeu a l'air quand même vraiment plus jouable, mais les sons, mon dieu, ils veulent nous achever, c'est violent, la sirène et une douce souffrance remarque, ça te fait ressentir que t'es sur un champ de bataille actif. Ouais, mais après il suffit que je baisse, hein, c'est pas grave. Ah, ça me sert à rien, hein. Ce véhicule ne me sert à rien, il vaut mieux évacuer, on va prendre autre chose. Qu'est-ce que tu penses? Ah non! Enemy activity from all directions. Shit! Here comes the second wave. Sweep! Got incoming. Tirez, 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 tirez! Voilà. Humvee reporting, sir. Oh putain, quel enfer! Forward post. Picking up signals of incoming Legion armor. Tanks and heavy spiders with MRLs. There's too much long-range firepower for us to deal with. Suggestion, Sergeant? Draw them in closer, so they lose their range advantage inside the base. Then engage them up close. Good idea. Center, we're pulling back from the forward post. It served its purpose. Center to all units. We're abandoning the forward Number post. One, Fall by. Back and reestablish defense points in the base sectors.
I'm be reporting, sir. I can't get our vehicles across the bridges to the command sector. We're gonna have to go through the technical sector. We get to the command center, we need to put infantry into that central bunker and take control of them defense turrets. Warehouse report. All turrets have been rearmed. Voilà, ça c'était un élément que je n'avais pas eu, c'est-à-dire évacuer. Relocating. Drives will need some wheels for that. Got them in our sights. Missile support moving there. We're here. Got company. Voilà, et maintenant on va assurer notre sécurité. More enemies sighted. Got a visual on hostile. Enemy sighted. Enemies ahead. Place is crawling. Taking fire. Spotted one. Yes, sir. Warehouse report. All turrets have been rearmed. Oh, this is bad. Glad I hooked up with you guys. You like suicide mission, buddy? Then you could love all of Drivers reporting, sir. Got a Bradley for you. Send a crew for you. Lost the forward outpost. We gotta form a new defense line or loot the base. Come on, Bob. I'll show you how to kill flying rings. Bring it on, Kachina. I'm a fast Let's see if that's true. Non, je suis désolé, je vous écoute pas, je vous lis pas. Je suis plutôt concentré sur ce que je fais. Right central turret online. Central bunker secure. Central bunker ready. Enemy force. We see them ahead. Infantry under fire. Warehouse report. All turrets have been rearmed. They won't be bothering us anymore. Everyone, clear out of Big Boss Way. On my command squad reporting. Got coordinates on enemy forces. Got incoming. Big Boss has arrived. Got incoming. Taking enemy fire. Ah ouais, eux ils font plaisir par contre. New tunnel opened up. In the Bay Area. We're on it. On us, take the shot. Got it, coming. All fixed. On a aussi ici, mais Taking enemy fire. Next hit, get out! Incoming threat! Lost a snack. Got enemy activity. Warehouse report. All turrets have been rearmed. Oh putain, j'ai oublié. They just blew a tunnel through the cliffside. They could get into the command center from there. And, oh hell, the living quarters. Got them in our sight. Target's in range. ACDM relocating. Got trouble. Wipe my crew. See him ahead. Enemy attacking. Enemy spotted. Oh putain, Cam. Quelle purge. Something strange happened with the sensors, sir. Need more info than that. They're picking up readings and then suddenly cutting off. Like something's taken them out? You seen this before, Sergeant? Once. And once is all I want to ever see it happening. What was it? Revs. Those are revs. Warehouse report. All turrets are rearmed. Got trouble. Enemy movement. Ready to go, sir. Gotta see that one coming. Putain. Oh, l'enfer. Et c'est surtout qu'on n'a pas un timer, donc tu sais pas où tu en es, si tu réussis ou pas en fait. C'est ça qui me perturbe. Donc tenez le réacteur, il est là, ok, bon, ouais. We're losing people here.
Oh dame, ça, ça pique. Alors vous tirez sur vos copains. Alors, je dis ça, je dis rien, mais vous tirez sur vos potes. Bonne nuit Lupin, des gros bisous. Et demain c'est une journée de l'enfer. Rattrape la réunion par un prof reporté à cause de 3 flocons de neige qui devaient tomber la semaine dernière. Bonne chance Kirua, des gros bisous poulet. Ah oh, on a réussi, oh, on a réussi ici. Oh trop bien. Ah. Des rêves? C'est quoi des rêves? I'll be reporting, sir. Infantry taking hit. Yes, sir. Warehouse report. All right. All turrets have been rearmed. Ah, lui, il fait mal, lui. Lui, il fait mal. Il est en train de faire le tour. On l'a un peu esquinté seulement. On l'a chatouillé. Putain. Bonjour. Tu aimes te faire ouvrir en deux? Oh, putain. Ah oui, ça fait plaisir, ça. Got a striker repaired and ready to go. Send a crew for it. Engineer, in trouble. Big Bob reporting. Incoming. I've got eyes on the enemy. Enemy movement. Everyone, clear out of Big Bob. No target sighted. Enemies in range. Got him in our sight. Heading there now. Incoming threat! Falcon 3 reporting. We're at the evac platform waiting to take on passengers. Move it, people! Stage 3 evac, Lieutenant. Time to start getting our troops out. But we need troops to defend the evac off. It's a tough call, son. I need you to hold the rear guard while other units fall back for evac. How many more evac transports incoming? 2. Falcon 6 is our last transport out of here. Make sure you're on it. Attention! Target another fire. Transport has arrived. All personnel in the third evac wing, get to the elevator in Sector B. You got it. Fly back now. Long left. Spotted one. Got trouble. Warehouse report. Need a new wheel. All turrets have been rearmed. We lost control over the warehouse system. Got enemy movement. Enemy sighted. Driver's reporting, sir. Sir, moving there. Move quick. Quel enfer! Tu m'as dit que c'est du SC prévu après mon Franck. Oh bah oui, comme d'habitude. L'alarme me tue. Regarde, ça va être magique. Regarde. Volume ambiant. Voilà. All turrets rearmed. Warehouse down there. There goes our supply line. Contact. Got a fix on the enemy. Target down. Tank squad under fire. Oh les bâtards, ils ont pris l'entrepôt. Oh mais t'inquiète pas, Kiki. Avec plaisir. Attention. Next evac is currently underway. Everyone in the fourth wave, get to the sector B elevator. You heard the lieutenant. Let's go. The pressure system is offline. Pull back into the base and hold them up from there. Got the final army ready. Come collect it. Warehouse is under attack. Quick response team, get there and defend it.
Ouais, ouais, je sais. Je vois que ça évacue, mais bon. Je peux plus faire grand chose, hein. Attends. Voilà. On va y arriver, hein. Ah, mais c'est ce putain d'alarme. Repair shop knocked out. Get moving, squad. That ain't good. Target, Lieutenant. Got a fix on the enemy. Moving. Spotted hot shot. Found up. We're under attack. Order start. Enemy movement. Ah, j'ai plus le choix. Va falloir se replier. Ah, quel enfer. J'ai l'impression que eux aussi mollissent. Donc quelque part... C'est peut-être pas plus mal. Enfin, ils mollissent. Ils s'arrêtent pas, mais... Est-ce que je peux aller jusque-là? Ah, je peux y aller. Oui, non, peut-être. Tu y vas ou pas? Another transport's in. Same drill. Cover the evacuees while they fall back to the transport. Just gonna be us left after that. We're all getting out of here, Sergeant. No one's being left behind. Attention. Stage 5 evac is beginning. All personnel except the final rear guard. Get to the Sector B elevator. That's our ticket out of here. Let's go! Thanks, Lieutenant. And good luck. Voilà, et là c'est encore une autre équipe qui s'en sort. Ok. Requesting permission to fall back, sir. Granted. Get out of here. Copy that. Enemy. Ouais, j'étais sûr que ça allait passer par là. Target's in range. Got a fix on the enemy. Enemy forces. Got company. Target, Lieutenant. Target spotted. Ah ouais, mais là je peux plus défendre grand chose, hein. Ah, j'ai plus de personne, hein. J'ai plus de personnel. T'as pas fait sauter le pont. Bon, après, en vrai, j'ai pas trop à rougir, hein. Ça se passe pas trop mal, hein. Comparativement à la première fois. Oh, putain, ils ont envoyé un char. Oh les bâtards. Il fait pas un pli, lui. Ouais, voilà. Membre d'équipage neutralisé. Ouais, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Évacuer, 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 évacuer. Ah, faut se barrer. Target spotted. Enemy. I've got eyes on the enemy. Got it coming. New target. Essayez de rejoindre au moins le véhicule qui est là, sans vous faire flinguer. Oh là 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 là, ça, ça fait mal, ça, par contre. Ah, ils sont trop nombreux, hein. Ils sont trop nombreux. Reporting. Ah, ils sont trop nombreux. Trop, trop nombreux. Et eux, ils tirent même plus, quoi. Ils ont même plus une seule bastos. Y'a plus de jus. Ah ouais, oh là là. Terminato, cette mission, c'est un enfer, hein. Oh putain. Mon dieu, mais ils sont combien? Au secours. Got a fix on the enemy.
Mais jamais ils tiendront, mes gars. Jamais de la vie. That's it. Everyone, pull back for final evac. Major Stevens, that means you too, sir. Sorry, son. No can do. Sir, I'm cut off. Forget about coming back for me. There's no time. I need you to activate the base self-destruct and get yourself into that transport. Major, I can't let you do that. That is an order, Lieutenant. I need you to report back to Founder Command and let him know about that prisoner convoy. If Legion's changing its OP, we need to find out why. We really gonna do this? Blow up the base and leave the Major to die? You heard the Major's orders, Sergeant. Leave nothing for Legion. And if you bring the base down on him, they can't pursue us out of here. Oh, you're all about obeying orders now. Not so much when you disobeyed them, attacked the convoy, and brought the wireheads back here! You're out of line, Mason. Major Stevens is a good man. And it costs us a lot to set up this base. It costs us even more to defend it right now. We just gonna throw all that away and blow it up? What are you saying, Mason? You're in command now, sir. You decide what we need to do here. C'est charmant. Je vais avoir aucun survivant. Putain, jamais j'y arriverai. Évacuez votre équipe. Quelle équipe? Ah, oh, je veux bien, mais ils vont se faire tuer. Ah, oh, je veux bien, il reste plus rien, donc... quelques-uns. C'est peut-être scripté tout ça, tu peux pas faire autre chose que de te replier si ça se trouve. Non, je pense qu'il y a pas, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement, je pense qu'en vrai, voilà. Et bonsoir Gavark et bienvenue. Alors, comment ça s'est passé? Je suis très curieux. Alors raconte tout. Bonsoir Julien, tu vas bien? Bonsoir Thomas, comment vas-tu? Alors Gavark. Bonsoir Jazz. Ouf. 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 Et ça va, princesse? Ah. Falcon 6, we're ascending in the elevator. Ouais, il me reste plus grand monde, hein. Tout le monde est mort. Hein. Il me restait 4 mecs. Bien, bon, ça va, j'ai suivi la performance de Gavark et toi. Eh ben, ça va, trois parties où je fais des kills, mais je meurs tout. Une partie ratée et une dernière partie chiante, parce que je joue la meilleure place, mais très content. Ah, viens. Ça, c'est cool. Alors, infanterie ennemie tuée 507. Nous avons détruit 46 véhicules, nous avons perdu 47 soldats et perdu 6 véhicules. Bah finalement, j'ai réussi cette mission. Ah bah comme quoi, vous voyez, avec une bonne trad, on y arrive. Enfin. Copy. Anyone there? Major Stevens? Still here, son. But not for long. You clear the base? Yes, sir. But wireheads are almost on me. I'm triggering the self-destruct. Scorched earth. Leave nothing for them. You better clear the area. Enough of them left to still come after you. We're out here alone now, Major. Cut off from Founder Command. What should we do? What we've always done since Judgment Day, son. Survive. We gotta put some distance between us and the base. Let the wireheads think we died there with the others. Bad news is, none of us know anything about the territory this side of the mountain. Good news is, neither do the wireheads. Some kind of movement down there. Looks like people. Please, leave us alone. We don't have anything left to take. Hey, we're not here to rob you.
Who are you? Where are you going? We're just trying to get away from the machines. They're everywhere in the south where we came from. We're heading north. Maybe things are better there? They're not. At least not anywhere you can reach. I'm sorry. Then where can we go? You guys look like oh, you can t'as take pas à care rougir, of yourselves. Gamark 67, c'est can bien we quand join même. Up with you? We can fight if you show us how. Could do with new blood now that we're out here on our own. Lost people back at Haven. Probably gonna lose more. These people ain't gonna make the best soldiers, but if it's all we got. Gonna need to find food supplies to feed all these new hungry mouths. There's a settlement called Abiquiu not far from here. They got supplies. They weren't too friendly, but maybe if you guys showed up. D'accord. Ah, voilà, et donc on a un management, on peut manager l'armée. Salut Majin, comment vas-tu? Il a fait de très beaux kills, dont un sur Gomar. Oh, eh, tu sais, je me doute que il a fait le boulot. Donc on peut effectivement... ouais, on peut réparer, réarmer, etc. Ouais, ok, je comprends le principe. Donc en fait, on a tout ça... Ok, trouver du ravitaillement ici. Réapprovisionner peut-être. Ah, il y a un coût. Forcément. Ouais. Ouais, toi... Ouais. Ah oui, d'accord. En fait, tout ravitailler. Ah ouais, mais je peux pas tout ravitailler en fait. Soigner toutes les escouades. Oui. Ça, par contre, oui, on va les soigner. D'accord. Par contre, côté réapprovisionnement en armes. Au moins eux. Réapprovisionner, on peut pas. Pas l'entièreté. Juste leurs flingues. Non plus, on peut pas. Juste sélectionner les flingues. Bon, bah écoute, on va se contenter de ça. Hein, qu'est-ce que je te dise. Donc. Oui, dissoudre et approvisionner. Et donc, comment on lance? Ouais. Et voilà, on nous a dit que cette colonie pourrait nous ravitailler. Allez-y. Troops are tired, sir. Been a long grind. The breakout from Haven and the road ahead. Best we send in a small recon force and let everyone else rest. Agreed. Let's decide who goes and who stays here. Eh ben ça va mon cher Majin, eh ben c'est super en fait, on a une carte tactique après, donc en fait on va avoir une gestion de troupes, d'accord, alors ça sera peut-être pas une base, mais une gestion de troupes, c'est déjà ça de gagner, donc du coup on peut essayer de calculer son coût à chaque fois, ça peut être pas mal, j'aime bien l'idée, ça me plaît, j'aime bien. Oui, alors ça c'est fait, donc confirmé. Bah en fait ils servent à rien parce qu'ils sont pas réapprovisionnés, donc on va juste prendre eux. Ouais. Ouais, juste une unité de combat. La gestion, c'est la vie. Ouais. Negative. This is further out than any of our recon patrols have ever been. We're gonna need to find supplies if we're gonna make it out here. You're the officer. You're in charge, sir. Ah oui, il n'y a plus d'officier supérieur. Salut Huge, oui tout à fait, et vraiment beaucoup mieux. Et j'ai même réussi la mission où j'avais complètement tout plantouillé, trouver du ravitaillement. Ok. Gunfire. This wirehead weapon fire. We're going. Someone's in a firefight with Legion. Let's track down where it's coming from. Get moving, squad. Ah, j'ai pas beaucoup de roquettes, hein, donc essayons d'éviter de jouer les foufous. On va essayer de longer la rivière. D'accord, donc on peut ravitailler, avoir des unités supplémentaires, etc., etc. Ouais, d'accord. Donc on peut pas constituer, on peut pas créer d'unités. Enfin, on peut pas en créer. Disons qu'en ayant des survivants, du coup, on peut avoir de nouvelles unités. Ça, d'accord. Whoa, this your ride? Okay, it's cool. Thought it was abandoned. You want it, it's yours. What vehicle? Oh, it ain't yours?
Oh, wow. And that was us all worried we was taking apart your property. Must belong to the movers, then. They're always moving about, scouting and stuff like that. See those plasma heads on the side? Must have ran into some wire heads. Wire heads? You mean chromes? Yeah, we see more and more of them around here. Pas facile le jeu, non, mais il est plaisant, il est plaisant, David. Et coucou Patty, c'est pour ça que tu m'as vu concentré sur la dernière mission, enfin, ce qu'on a fait, parce que effectivement, ça envoie du steak, quoi. People around here had a tough time surviving before he arrived and started organizing things. Organizing? You know, dude came in with his men and all their guns, and now he runs things here. Taxes us by getting us to give him supplies and stuff salvaged from the field. The field? Yeah. Years ago, there was this big-ass fight against the Chromes. Lots of good stuff left there, but you gotta watch out for the Non, pas un XCOM, Thomas. C'est vraiment un jeu de stratégie, mais il n'y a pas de création de base. Tu vas avoir un pool d'unités, et vu la carte tactique, tu vas pouvoir récupérer des survivants que tu vas pouvoir mettre comme ingénieur, infanterie, bazooka, peut-être même, pourquoi pas, si tu arrives à avoir des véhicules, équipage de chars, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous allez faire de ce véhicule? I only got one question for you. What are you gonna do with that vehicle? Just wanna try to get it going, but it's busted up, so we was just gonna scavenge what we could get from it when you showed up. I got no problem with that. Good luck, guys. Hey, you too. Maybe we'll run into each other again. Alors nous, on va poursuivre. Voilà. Alors moi, je vais juste longer par ici. Et on va aller se mettre ici à couvert. En temps réel, du coup. Oui, c'est pas une pause active comme sur Alien Dark Descent. Hein. C'est, tu mets une pause et puis c'est marre, quoi. Mais tu vois, un truc qu'ils ont amélioré, Thomas, c'est ça. Regarde, t'as une interface ici. Tu vois, avancer jusqu'au contact, tu peux te mettre à plat ventre. Voilà. Tu vois, je trouve que c'est pas mal, en vrai. Donc, tu vois, rien à voir avec ce que j'avais testé. De base, alors il y a encore quelques défauts, mais en vrai, rien de méchant. Oh, il y a des véhicules. Ça, c'est cool, ça, par contre. Ok. Changer de comportement. Capturer le bâtiment. Hey, stop! Easy there. What's the situation here? We know you're tight. Scavengers. You're not welcome here. These uniforms look like scavenger outfits to you? We're not scavengers. We're founders. On a reconnaissance mission in this area, I guess. Founders? Never heard of them. Si tu veux, Thomas, ouais, c'est un peu dans le même style. You here to fight Chromes? You mean wireheads? Yeah, that's what we do. Heads up! Got incoming wolf packs on the scanner. Get out of here! We'll hold them all. We're founders. We'll fight them with you. Get moving, squad. Infantry moving. Confirm. Moving. Got it in our sight. Infantry Another moving. Bunch of scavenger assholes. Open fire! Take cover, squad! Infantry under fire! Got a fix on the enemy. We're here. Good fighters, those movers. Did a run. Died fighting. Maybe we should have done more to help them. Oui, alors on n'est pas beaucoup, hein, donc voilà. Moving. On dirait comme un Company of Heroes. Non, Company of Heroes est vachement nerveux, celui-ci. C'est pas la nervosité qui l'emporte. Hein. T'es obligé de cogiter, de savoir comment tu vas placer tes unités. Tu vois, par exemple, sur Company of Heroes, j'aurais pas fait ça. Tu vois, j'aurais pas rampé comme un gros chien dans le talus. Ils sont tous dead. Alors ça, c'est quoi? Détruisez la base du mouvement. Et ça, c'est... Camp du gang...
C'est ici que se trouvent les forces principales des pillards de Balzano et Balzano lui-même. Éliminer les troupes du mouvement. Ok. Bon bah... Quoi, juste avec cette petite unité? Ah bah putain, ça va être raide, hein. We're going in. Moving. We're going in. Bon, bah allons-y, hein. Je trouve qu'il a une bonne ambiance de jeu. Ouais, non, tout à fait, d'accord. Ça correspond un petit peu à l'idée que j'ai de d'un jeu Terminator, c'est-à-dire que tu te sens... t'es pas surpuissant, tu vois ce que je veux dire? T'as tes unités, t'es obligé de faire gaffe. Tu vois, par exemple, j'ai dû laisser une autre unité derrière parce que j'ai pas les moyens de ravitailler. J'ai aucun moyen de les ravitailler. Ah, attendez, voyons voir un peu le terrain, comment c'est foutu. Ah, super, ils sont en hauteur. Putain, c'est pas vrai. Oui. Oui, je pourrais passer par là, oui. Oui. On va faire ça. Ouais. Ouais, on va essayer de passer, on va essayer de contourner en fait. Donc on va aller jusqu'ici et puis on va prier pour qu'il n'y ait pas grand chose. Je pense que vous voyez ce bâtiment en ruine. L'objectif va être de contourner, d'aller dans ce bâtiment. On regarde un petit peu comment ça bouge. Et ensuite on bouge. Parce que le problème il est là, hein, c'est qu'ils sont combien en face? Ça c'est un peu la problématique. On essaye de passer. Par où tu passes? C'est quoi ton mouvement? Ouais, je vois que tu es en train de faire le tour, c'est très bien. Ah, c'est ici. Ah, par contre, c'est pas forcément visuellement acceptable. Hein, Ah non. D'accord. Ah ouais, donc je vais me farcir tout le tour. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? On a éliminé 21 ennemis pour le moment. Ça ressemble davantage à un grand contrôle où tu dois faire attention à chaque unité, même la plus négligeable. Merci, Sephiroth. Exactement. Bon, après, c'est une vieille ref. Hein. Grand contrôle... Enfin, le prend pas mal, mais il n'y a que des vieux clous pour se souvenir d'un jeu comme ça. Hein. Surtout qu'il y a une gestion des munitions, oui. Et je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que tu n'es pas... tu es dans l'obligation de faire gaffe, tu peux pas ventiler les bastos. On a un contact. Hey there. Ah, great. More scavengers. We're not scavengers. Yeah? Well, that's what scavengers always say. Keep moving. Bon, il a pas l'air méchant. Observons un petit peu ce qu'on a aux alentours. Si on pouvait... Vous croyez qu'on peut monter la colline? Ça va les crever, hein, mais tant pis. Hein. Surtout qu'il y a une... Je ne suis pas jeune non plus. Oui. Celle-là, je te l'accorde. Je te l'accorde bien volontiers. Et j'ai connu Grand Control. Oh, tu es plus jeune que moi, de combien? Alors attendez, c'est là que ça m'intéresse. Ils sont pas capables de monter une colline. Ah merde, j'avais pas vu, il y a des trucs barbelés. Fuck you. Tu peux passer par là? Oh, quelle arnaque, je suis obligé de tout me farcir. My, quelle bande d'enfoirés, je suis obligé de passer par là. Bon, bah on va... je vais donc utiliser les... Bah rien du tout, parce que j'ai pas le choix. Ok, tu veux que je passe par là, je passe par ça. Tu as oublié le coefficient multiplicateur. 8 ans, bah c'est que dalle, 8 ans. Casualties.
now. If it's too much broken, sir. All done. En route. On my way. Ouais, sans les autres unités, tu peux pas faire grand chose. Ok, je m'y suis mal pris sur cette mission. Ok, ok. Je comprends. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Non, x2 comme Franck. Je regardais la rediff demain. Bonne fin de stream. Ça marche, Thomas. Des gros bisous. Non. Je vais revenir sur le menu principal, ça oui. Et on va s'arrêter là-dessus, les enfants. Eh ben, qu'est-ce que j'en pense de ce Terminator? Alors déjà... Salut. Je me suis planté. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Terminator? Bah, en vrai, ils ont fait un excellent boulot. Vraiment, on voit que... Il y a des critiques qui ont été prises en compte. Déjà, on peut zoomer sur les unités, on peut avoir un meilleur aperçu. Ce qui n'est pas négligeable, déjà, de base. L'interface qui a été retravaillée, je trouve que c'est beaucoup plus propre, beaucoup mieux, très intense, mais ça je pense que c'est fait exprès, mais pas impossible. Là par exemple sur cette mission j'ai pas trop compris qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je dois d'abord récupérer le ravitaillement et auquel cas j'aurais dû partir avec mes deux unités, même quitte à avoir aucune bastos pour l'une. Un petit peu dans le flou, mais je trouve que l'idée de pouvoir gérer ensuite ces unités au coup par coup, je suppose que par la suite on doit récupérer des survivants qui vont venir agrandir notre armée, savoir prendre soin de ces unités, savoir réapprovisionner, savoir soigner, ça va être vraiment la force de ce jeu, et je trouve que c'est vraiment bien foutu. Après je sais pas, pour ceux qui étaient présents avec moi, qu'est-ce que vous en avez pensé également, j'aimerais avoir votre tour. Ah, je suis désolé, j'en profite, hein, je clean au maximum. Peut-être les sons d'alarme, le son lui-même peut-être un peu trop fort. C'est ce que se plaignait justement Kitty. Ce qui est en soi un petit peu normal. Bon après, je pense que c'est fait exprès, les sons d'alarme... Le fait que ça gueule, ça tire dans tous les sens, c'est vraiment pour créer une situation de stress et d'urgence. Je pense que c'est surtout ça, c'est vraiment créer cette situation d'urgence. Trop dur pour moi. Je peux comprendre. Moi, je suis plutôt enthousiaste sur ce genre de jeu parce que, déjà, j'aime bien me faire péter les dents. Parce que si un jeu me résiste, c'est quand même beaucoup mieux. Puis j'aime bien le style, j'aime bien la stratégie. Après, peut-être que là où ça me fait grincer des dents, j'aime bien créer mes propres unités. Mais le fait de devoir prendre soin de mes unités n'est pas trop déconnant, sachant que moi-même, c'est ce que je fais déjà de base. Même si je fais des bases ou je crée, machin. Pour ceux qui m'ont déjà vu sur des jeux de stratégie, vous avez vu, hein, je ne prends jamais de risques. Je ne sacrifie pas des unités, ou si je les sacrifie, c'est parce que je n'ai vraiment pas le choix pour l'emporter. Ça c'est vraiment bonne gueule, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est pas mal, franchement, en vrai, il est loin d'être dégueulasse. Je vous rappelle qu'il sort le 21 février. Pas mon genre. Après, Monsieur Rose, ça pourra pas plaire à tout le monde. Hein. Même si on est fan de stratégie et autres, ça va être vite un peu complexe. Quand tu compares avec l'autre live, quand tu compares avec le premier que j'ai fait, ouais, c'est clair, hein. Je veux dire... Il y a quand même un fossé, hein. Là on est aux antipodes, hein. C'est une évidence. C'était intense, mais je trouve que ça correspond à l'univers, et ça c'est très important dans mon esprit. Ce caractère d'urgence, de danger permanent, et le fait que tu ne sois pas en sécurité, est finalement, j'ai envie de dire, surpuissant, tu vois. Alors je vais supposer que plus tu avances dans l'histoire, et plus ça va être complexe, puisque Légion va développer ses propres armes, ou ses propres unités, qui vont t'en mettre plein la gueule. Il y a qu'à voir le char sur la troisième mission, le char est inarrêtable, sauf si t'as un blindé. Et encore, le blindé que tu vas avoir, il reste que des pièces détachées, hein, s'il prend un shoot. Bon. Très curieux du jeu, pour le coup, j'aime bien tous les styles de RTS, et j'aime les RTS qui changent du classique base building. Ah non, là, on est vraiment sur autre chose, hein. C'est pas du base building. Vraiment, gestion de troupes, comme le disait Sephiroth, effectivement, à la Grand Control, gestion des troupes jusqu'aux ongles, c'est-à-dire jusqu'aux bastos, et je trouve ça génial.
Je t'avoue que j'ai mis le son au minimum, mais je me doute, Boomer. Mais moi, je l'ai mis à fond parce que j'aime bien créer cette situation de stress pour moi aussi. C'est pour ça que j'ai été ultra concentré sur une des missions, notamment la troisième, parce que je m'étais fait torcher la tronche. Mais il me manquait des éléments de connaissance. Je n'avais pas compris ce qui était demandé, parce que le jeu était déjà, un, tout en anglais, et deux, il manquait énormément d'éléments sur l'interface. Je veux dire, la mission 2, j'ai dû la refaire. C'était une catastrophe. Hop, wishlist. Te connaissant, Thomas, je ne suis pas choqué que tu apprécieras ce style de jeu, bien sûr. Alors, il est chez mon partenaire GamePlanet. Donc, pour ceux qui veulent se faire plaisir et faire plaisir à tonton, il ne faut peut-être pas hésiter. Alors, je n'ai pas de code promo parce que là, cette fois-ci, c'est Slytherin qui me l'a envoyé. Je tiens à saluer Paolo. Merci à toi. Donc, c'est pour ça. Ça reflète les premières minutes du film où tu as les gars de la résistance qui courent partout, se cachent et se font défoncer par les robots qui arrivent en surnombre. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a une montée en puissance que le joueur va avoir. Tu vois, je pense qu'il y aura un vrai équilibre mid-game. Je pense que les premières heures, tu vas rôter du sang. Mid-game, déjà, il va y avoir une inversion. Et arriver en end-game, si tu as plutôt bien géré ton coup, techniquement, tu ne dois pas être dans la souffrance. Tu vois, ça me fait penser à des jeux... pour ceux qui ont peut-être joué, moi qui aime bien la série des Close Combat, il y en a un des opus que j'adore... et que bon, je trouve qu'il est très cher sur Steam ou ailleurs de toute façon, c'est Cross of Iron. C'était très bien parce que justement on gérait son unité de combat. Donc d'un simple sergent, on devenait major avec toute sa compagnie et on devait gérer évidemment ses soldats, mais leurs blessures, les changements, et effectivement ça a impacté sur leur expérience. Et plus on avançait dans la guerre, plus effectivement il était compliqué, par exemple si on jouait les Allemands, d'avoir des unités opérationnel et donc d'avoir des munitions, voire même des véhicules qui roulent. C'est fou, mais c'était exactement dans la période la même chose, vous voyez ce que je veux dire. Et à l'inverse, si on jouait les Russes, c'était très compliqué au début, et vers la fin, bon, on roule complètement sur l'opposant, avec des chars Joseph Staline 2, et puis avec un petit bisou et une petite claque sur les fesses, ça passait sans problème jusqu'à aller à Berlin. Donc, j'aime bien ce style-là. Après, effectivement, ça plaira pas à tout le monde. Hein. David, tu m'as dit trop dur. Je peux comprendre. Ça peut être compliqué, effectivement, parce que bon, on n'est pas là non plus pour tout le temps rôter du sang ou se mettre la tête à l'envers. Mais j'aime bien le style. Ce côté un peu intense, dangereux, on est obligé de se boucher le trognon, c'est pas mal du tout. Vous les petits copains sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire pour savoir effectivement ce que vous avez pensé du jeu, hein, pareil, ça fait plaisir. Et puis on vous fait des gros bisous. Ciao les canards.